Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits produits que j'ai trouvés chez Action avant le confinement et après, entre guillemets, le déconfinement. Alors, j'ai trouvé ces pailles. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous en avez 10. Donc, j'ai pris deux paquets qui m'ont coûté 55 centimes le paquet. Donc, c'est pas parce que les fêtes vont être différentes cette année qu'il ne faut pas avoir une jolie table, que ce soit pour Noël ou le réveillon. Donc ensuite, pour le réveillon du 31, j'ai trouvé ces serviettes. Dedans, vous en avez, il me semble que c'est 20. Oui, 20 serviettes pour 1 euro. Ensuite, alors ça, je les ai déjà portées, mais bon, j'ai trouvé ces chaussettes. Alors elles étaient dans la semaine d'Action, avant que les actions soient entre guillemets fermées. C'est des chaussettes toutes douces en pilou-pilou. Donc il y en avait deux dans le paquet, une rose et une blanche. Donc moi je les avais payées 2 euros et là j'ai regardé en rayon, elles sont à 2,50 euros. Donc franchement, si vous aimez ce genre de chaussettes, allez-y parce qu'elles sont super douces, super bien. Et super chaude quand vous avez hyper froid aux pieds. On continue. Donc j'ai pris ça, des petits trucs pour l'apéro. Donc toujours pour le 31. Donc vous en avez 4, 24 pardon, par sachet. Et j'en ai pris 3 paquets. J'ai dit même ça fera, même après le 31, je les trouve super sympa. Et ça, c'est 45 ou 47 centimes le paquet. Donc franchement, pas cher du tout. Ensuite, toujours pour le 31, donc voilà des petites bougies chauffe-plat, super mignonnes. Donc c'est vendu à un seul paquet. Ça c'est franchement moins d'un euro, je me rappelle plus, mais c'est vraiment vraiment pas cher. Alors il y avait cette couleur, il y avait noir. Il y avait une autre couleur aussi, je ne me rappelle plus. Mais bon, moi, comme mon thème sera doré et noir, donc voilà, nickel chrome. Donc là, c'est pareil, j'en ai pris 3 boîtes. Ensuite, j'ai pris ce genre de gâteau que j'avais déjà vu passer sur YouTube. Il y en a qui disaient qu'elles adoraient ça. Nous, à la maison, on adore le caramel au beurre salé. Donc, j'ai voulu essayer. Je ne sais plus, j'ai payé ça. Je ne sais plus, peut-être 1,50 € ou quelque chose comme ça. Et franchement, non. Nous, on n'a pas trop adhéré. On n'a pas trop trouvé le goût du caramel au beurre salé. Donc, voilà. Après, peut-être que vous allez les adorer. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ensuite, j'ai trouvé ces pop-corn. Pareil, caramel au beurre salé, que j'ai payé 1,30 €. Alors là, franchement, une tuerie. Trop, trop, trop bon. Alors, si vous avez déjà connu les pop-corn BAF, ben franchement, c'est pareil. C'est le même goût, c'est le top. Vraiment, ça, on en reprendra. Ensuite, j'ai pris ça, du bicarbonate de soude, que j'ai payé 2,50 €. Et franchement, trop, trop, trop bien. Alors ça, je l'utilise pour nettoyer la porte de mon four. Je l'utilise pour nettoyer mon évier, la table de cuisson. Et franchement, nickel. Surtout au niveau de l'évier, si vous avez de l'eau qui est un peu calcaire chez vous. Alors ça, franchement, le top. Votre évier revient génial. Super. Ensuite, donc ça, c'est dans la semaine d'Action qui est jusqu'à mardi soir. Donc c'est ces fameuses boules de bain. Donc j'ai payé 1,50 €. Voilà. Je continue avec ce produit. C'est le fixateur après votre maquillage que j'ai payé oui, 1,90 € quelque chose comme ça. Donc qui est pas mal, qui a une super odeur. Moi, j'adore l'odeur. Donc voilà. C'est un 150 ml. Voilà.
Nous continuons. Alors là, c'est plus pour Noël, on va dire. J'avais trouvé ces petites boucles d'oreilles à 1,30€ ou 1,50€. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, toutes mignonnes. Ensuite, j'ai pris ça. Donc eyeliner Max & More, 99 centimes. Donc je l'ai pris en teinte noire, je l'ai déjà, je le trouve super génial. Donc du coup, j'ai dit j'en reprends un autre parce que des fois, c'est pas simple de retrouver certains produits chez Action. Ensuite, j'ai pris ce scrub au café. Donc j'ai pas encore testé, je testerai et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Voilà. Nous continuons avec ceci. Alors ça, j'en ai déjà à la maison, que j'utilise tous les soirs et tous les matins. J'adore l'odeur, je le trouve super. Franchement, ça, c'est quelque chose que je reprendrai chez Action. Et c'est pareil, c'était, il me semble, moins de 2€, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, j'ai pris cette petite bougie. Très, très, très mignonne. Avec son petit pompon à la vanille. Et franchement, même quand la bougie est fermée comme ça, que chez Action, forcément, on ne peut pas enlever le masque, donc on ne peut pas sentir si on va aimer l'odeur ou pas. Sans enlever le couvercle, vous avez l'odeur qui, déjà, vous pouvez la sentir, et c'est juste une tuerie. Donc, allumée, je pense que elle va sentir super bien. Donc, ça, c'était 2,50€ que je l'ai payé. Et voilà, donc mon haul Action est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.